Hey, what's up mes warriors, j'espère que vous allez bien. Attention, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu et restez jusqu'à la fin de la vidéo, sachant qu'elle ne dure pas vraiment longtemps. Vous allez avoir peut-être votre nom qui va passer en fin de vidéo, parce que la dernière fois sur le groupe, j'ai demandé à ce que vous me disiez tout ce que vous pensez sur la chaîne et moi sur mon personnage. Et donc voilà, peut-être que votre commentaire aura été choisi. Donc aujourd'hui, voilà, on se retrouve pour une nouvelle réception de chez AliExpress. J'avais commandé un pull, un sweat pull de Pure Posture, le jaune avec écrit Security Pure Posture derrière, bien évidemment. On va voir si la qualité est bonne par rapport au premier que j'avais acheté, le gris, rappelez-vous, qui était vraiment extraordinaire au niveau de la qualité et tout. C'était vraiment superbe. Donc j'espère qu'on va être agréablement surpris par celui-ci. Et on va passer tout de suite au déballage. Donc voilà, je l'ai déballé. Donc il était comme ça dans le sachet et tout. C'est du M, c'est du M, donc c'est la même taille que celui de la dernière fois. Alors, c'est un jaune très très pétant. Je pensais pas que ça allait être aussi pétant. Là, c'est vraiment genre, là, je vais t'en mettre canari, ça va être super. Là, les deux poches ici, donc on voit directement la différence de qualité, hein. Sincèrement, j'ai payé 8 euros, je crois. C'est une feuille de papier. C'est une feuille de papier comparée à l'autre où c'était vraiment de la moumoute, c'était du coton, c'était hyper bien. On était au chaud dedans à l'intérieur et tout. Et on peut voir que même les détails, ça c'est de l'imprimé. En fait, c'est vraiment de l'imprimé. C'est même pas genre, vous savez, les trucs qu'on fait avec le fer à repasser et tout, où voilà, ça se colle dessus. Là, c'est vraiment de l'imprimé. C'est vraiment dans le tissu. Et ça, j'ai peur que ça parte au lavage. Bref, sur les manches, on retrouve. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit sur les manches? Looking for revenge. Donc, ça, c'est pas mal. Hop. Et le derrière, Pure Pose. Tour et Fa. Veils avec sur l'autre manche, bah c'est pareil, c'est écrit pareil, Looking for Revenge. Hop, voilà, on peut voir ça vient d'où, de chez Fashion en Chine. Donc voilà, avec la petite capuche et tout. Non, mais sinon, il est plutôt pas mal. C'est juste que c'est dommage que ce soit pas de très très bonne qualité. Vous présentez la veste militaire que vous me demandez tous en commentaire. Mais où c'est que tu l'as vu? Où c'est que tu l'as vu? Tout simplement, c'est mon meilleur ami qui me l'a offert. Et elle vient de chez Wish. Vous pouvez la trouver à 15 euros. Si je la retrouve sur Wish, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc j'espère que ça vous plaira. Et en tout cas, moi, je la kiffe vraiment beaucoup. Et je vais vous montrer à l'essayage. A tout de suite, les potos. Bon, sincèrement, on voit vraiment que la qualité, elle est vraiment pas magnifique du tout. Elle est vraiment très très gaise même. Donc là, je vous fais juste un tour pour que vous voyez que le haut. Après, je vous ferai bien évidemment la petite tenue après avec la petite veste militaire. Comme ça fera un petit OOTD que je vous présenterai comme ça en vidéo vite fait. La semaine dernière, les petites Adidas NMDR hein, grises avec le petit short de Justin que j'avais acheté aussi sur AliExpress et le petit, bien évidemment, sweat pull de Pure Posture jaune Security Violet. Et on va rajouter un peu de swaggy swag avec la petite veste de chez Wish. N'empêche, la qualité est peut-être pas top top. Mais c'est vraiment qu'un petit détail, il y en a vraiment, ils cherchent que la qualité, et ce qui est normal, hein, ce qui est totalement normal. Mais voilà, c'est pas forcément avec la qualité qu'on trouve, et pas forcément le prix qu'on trouve son style vestimentaire, et qu'on trouve son identité vestimentaire. Donc alors, comme promis, vous passez dans la vidéo. Merci à Eva pour le thé trop beau. Teddy, les BG des Tropiques, je kiffe ta chaîne. T'es super sympa, mais tu devrais nous remontrer des vêtements du style Six June et Project X. Ça serait cool. Je suis entièrement d'accord avec toi, sauf que les deux marques ne me plaisent plus du tout. Elles ne me correspondent plus du tout. C'est-à-dire que c'est déjà d'une, c'est beaucoup, beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et il n'y a plus du tout d'originalité. Donc, du coup, je préfère m'acheter des fringues beaucoup moins chères, certes de moins bonne qualité. Et que ça vaille beaucoup plus le coup. Et comme ça, je peux permettre à la chaîne d'être beaucoup plus vivante et de faire beaucoup plus de contenu. Et je fais tout ça pour vous d'ailleurs, tout simplement. Elliot qui me dit depuis le temps que je suis abo à toi, t'es toujours le même un gars. T'es toujours le même gars, sympa, bon goût et qui écoute ses abos. Par contre, la chaîne a changé depuis le début, je préférais avant. Mais après, c'est normal, tu dois évoluer
Et ce que tu fais, c'est très bien tout de même, signer les ombrophiles. Donc merci beaucoup à toi, mon poteau. Franchement, ça fait énormément plaisir. J'espère qu'on se retapera des barres sur du game, hein, bien évidemment. Ça me manque un petit peu quand même, parce qu'on se tapait vraiment des très très grosses barres. Merci à toi, bah, pour ton commentaire. Ça fait énormément plaisir. Alors oui, en effet, la chaîne a énormément changé. Mais c'est comme tu as dit, il faut évoluer. Il faut vraiment faire des efforts pour tout le monde, parce que on devient de plus en plus nombreux. On est plus de 1300 là où je fais la vidéo. C'est cool que t'aimes toujours, même si tu préférais avant. Certes, l'origine des vidéos de base est toujours beaucoup mieux les débuts sont toujours beaucoup mieux qu'après en fait, et voilà, c'est comme ça malheureusement. Bien évidemment, je suis à l'écoute de tout le monde. Tous vos avis sont très très importants, et c'est pour ça que d'ailleurs le contenu et le format de mes vidéos ont énormément changé depuis les 3 dernières semaines. Et j'espère qu'en tout cas ça vous plaît énormément, et je vous fais plein plein de gros bisous. Sur la prochaine vidéo, je vous montrerai les autres commentaires. Il y en a encore pas mal, regardez, schlack et boum, et hop, sizzle, non. Et donc voilà, merci vraiment à tous, et n'hésitez pas à commenter et à mettre un gros gros pouce bleu de la famille pour la motivation. Allez, bisous, peace. Mais pas sur moi. Pouh!